Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR. Et aujourd'hui on va de nouveau manger, voilà. J'ai besoin de vous parler un petit peu, donc j'en ai profité. Là vu que je mangeais un plat que j'aime bien, je dis ce que j'ai tourné. J'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, mais j'essaye vraiment de faire au mieux, tout simplement parce que j'ai du mal à être motivée. Je suis un peu en ce moment en dépression parce que j'attends des réponses que j'ai pas forcément. J'ai mangé avec vous, j'avais de fortes douleurs. Entre-temps, j'ai été à l'hôpital parce que c'était vraiment horrible. J'avais tout essayé, il n'y a rien qui m'aidait à. J'ai été voir. Enfin, je suis restée aux urgences pendant 3 ou 4 heures. C'était trop long, je suis partie. J'ai été directement voir un médecin de garde pour avoir quelque chose qui soulage parce que sinon, j'allais y rester pour le. Enfin, toute la nuit pour rien. Il m'a donné un traitement que j'ai pris le soir même dès que je suis sortie. Il était 22h et quelques, je crois. Je l'ai pris direct. Ça m'a soulagée de ouf. Depuis, ça va beaucoup mieux. J'ai eu rendez-vous pour
j'ai le rendez-vous avec mon gastro-entérologue pour refaire une fibroscopie. Donc, à voir avec lui ce qu'il en pense par rapport au scanner et mes anciens résultats d'il y a 3 ans. Parce que j'avais déjà fait une fibro. Donc, voilà, c'est un petit peu les nouvelles, mais je suis contente parce que bah, j'arrive à manger de nouveau. Par contre, bah, tout ce qui est épicé, c'est terminé. Le coca, j'en bois plus. Tout ce qui est gazeux, je ne bois plus. C'est terminé. J'ai eu trop trop mal, c'était pas possible. J'ai du mal avec la viande comme ça. Faut beaucoup mâcher, si j'avale des trop gros morceaux, ça reste coincé dans ma gorge.
J'ai ma petite bouteille d'eau à côté de mon lit. Puis je bois, et puis après en pleine nuit, je me réveille pour aller faire pipi, donc c'est pas ouf, quoi. Mais voilà, mes amours, pour les petites nouvelles du jour. Voilà, je pense que je vous ai dit le principal, que ce soit pour mon appart, l'attente de mon contrat au boulot. Et voilà, c'est ce qui me stresse le plus en ce moment, parce que je me dis que si on me garde pas, je deviens quoi, clairement. Je vais repartir de nouveau à zéro, mais j'aurai pas la force, clairement, avec toutes les fois où je me suis battue, déjà pour avoir un boulot. Enfin bref, je vais positiver, mais c'est vrai que ça me fait peur. Mais voilà, du coup je vous ai raconté le principal, j'ai pas plus de choses que ça à vous raconter. Que mes cheveux ont poussé, vous avez peut-être déjà vu que... Bah, ils sont pris, je les laisse pousser. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, parce que c'est là que je poste un petit peu plus de trucs du coup. Parce que vu que c'est des vidéos courtes que je peux faire avec mon téléphone, c'est plus simple à tourner que... l'installation. Voilà. Mais vous inquiétez pas, je pense à vous et je sais qu'il y a un jour où ça ira.